Le droit d'usage, c'est une question qui a été posée par M. Eboulé. L'attestation de droit d'usage, pour ce qui concerne le coût, pour nous, il est transparent pour les usagers. Parce que l'attestation de droit d'usage est produite pendant la procédure d'approbation du lotissement. Avant même la création des titres fonciers à la conservation foncière, les attestations de droit d'usage sont produites. Et à la fin, quand l'attestation de droit d'usage est produite par l'administration, on la remet à la chefferie pour que la chefferie puisse procéder à la signature et puis distribuer aux bénéficiaires. Donc un usager qui va vers un bénéficiaire de l'eau, c'est un lot qu'il va acheter. Ce n'est pas l'attestation de droit d'usage qu'il va acheter. Il va acheter un lot. Donc c'est le coût du lot qu'il va payer. Donc ce coût-là, il est transparent pour l'usager. Donc quand on parle de coût de l'attestation de droit d'usage, pour nous, on ne devrait même pas en parler parce que ce n'est pas payant. Voilà. Quand vous achetez un lot, vous achetez un lot. On vous donne un document qui constitue la preuve que la personne qui veut vous céder le lot là, bénéficie de droit d'usage coutumier là-dessus. Avant que le directeur de l'urbanisme réponde à la question sur la double signature des arrêtés d'approbation de lotissement, je voudrais aussi répondre aux questions des autres participants sur les problématiques qui me concernent. Maître Kouablé a demandé la nature et la portée juridique de l'attestation de droit d'usage, vu que ce document, d'après sa compréhension, est délivré par l'administration. Ce qu'on voudrait dire, c'est que ce document n'est pas délivré par l'administration. Les attestations de droit d'usage seront délivrées par les communautés villageoises. Ce que l'administration fait, c'est juste de sécuriser ce document-là. Parce que avant, ce qui se passait, c'est que chaque communauté villageoise voyait un imprimeur pour pouvoir faire des documents. Et sur la base des documents produits par les imprimeurs, qu'on ne maîtrise pas d'ailleurs, les gens faisaient leurs transactions. Et nous, dans la pratique, nous qui sommes ceux qui produisent les titres de propriété sur les terrains, ça nous a posé beaucoup de difficultés. Quelqu'un a une attestation villageoise, il vient faire une demande d'ACD dans notre administration. Nous, on n'est pas capable de dire que ce document qui est fourni là, c'est un document qui est authentique et que ça vient effectivement du village. On n'est pas capable de faire ça. Parce que ce n'est pas nous qui avons produit, on n'a aucun moyen d'authentifier. Et puis, chacun produit avec les informations qu'il veut. La numérotation des attestations villageoises, ça varie d'un village à un autre. Ce qu'on a voulu faire, nous, à notre niveau, c'est d'uniformiser tout ça sur l'ensemble du territoire. De sorte à ce que un usager, nos populations, lorsqu'ils veulent acquérir une parcelle, on puisse leur dire, nous, administration, si vous voulez acheter un terrain, vous avez ce type de document. Quand vous voyez ça, vous pouvez faire confiance et vous pouvez acheter. Avec l'ancienne formule, on n'avait aucun moyen de pouvoir faire cela. On ne pouvait pas rassurer nos populations. À chaque fois, on nous pose la question de savoir, mais qu'est-ce que vous faites pour mettre de l'ordre dans tout ce qui est en train de se passer? La dernière fois, j'ai reçu un fonctionnaire. Il m'a dit que lui, son salaire, c'est 220 000 francs. Et chaque mois, il économise 20 000 francs. Pendant 10 ans, il a pu économiser un peu plus de 2 millions. Il allait acheter un terrain. Et il vient faire sa demande d'ACD chez nous. Son dossier vient, nous on a rejeté. On dit que ce lot est déjà attribué à quelqu'un. Il dit qu'il a pu travailler, il a économisé pendant 10 ans. 10 ans de sa vie viennent de partir en fumée. Vous qui êtes responsable du secteur, qu'est-ce que vous faites pour nous protéger, nous les populations? Donc ce qu'on a trouvé comme solution, c'est de leur proposer ce document que vous voyez. À l'intérieur, il y a des informations qui permettent à l'usager de pouvoir être sûr que ce document il est authentique. Et quand il voit ça, il est rassuré, il peut engager son argent. Donc, concernant la portée juridique de l'ABU, ce qu'il faut comprendre, c'est un document qui justifie l'existence d'un lien de droit coutumier entre une personne et une parcelle. Ce document va servir à faire la demande d'ACD. Pour la question sur la signature, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce document, il est le fruit d'un long processus de travail et de réflexion avec tous les partenaires de la chaîne foncière. Aujourd'hui, avant qu'on mette en œuvre l'attestation de droit d'usage, on recevait des attestations de plusieurs formats. Il y a certains villages où il y a des comités de gestion foncière qui existent.
et les attestations sont signées par le chef de village et le président du comité de gestion foncière. Il y a certains villages où ces comités n'existent pas. C'est le chef, lui seul, qui signe l'attestation villageoise. Il y a des lotissements sur lesquels nous recevons des actes où le lotisseur, lui aussi, y signe. Donc, ce que nous, on a prévu dans le système intégré de gestion du foncier urbain, c'est que tous les cas de figure auxquels on fait face, on les a pris en charge dans notre système. Notre système permet que toutes les parties prenantes au projet puissent signer. Maintenant, qui va signer? Ça va se décider pendant la séance de validation du répertoire qui va être mis en place, le répertoire de partage des lots. Pendant cette séance, les différentes parties prenantes au projet vont décider de qui va signer sur l'attestation de droit d'usage coutumier. Bien entendu que la signature du chef de village reste obligatoire. Les autres co-signataires seront désignés à cet effet. Si les parties prenantes estiment que le chef lui seul peut signer, il va signer. Maintenant, s'ils estiment que les signatures des autres personnes ne sont pas nécessaires, ils auront acté cela et on va, nous, administration, on va acter. Et sur la base du compromis qui a été trouvé, on va produire les attestations de droit d'usage. Sur la question de la signature, je pense pouvoir avoir répondu à la question. La question de M. David Nyanga, le chef, le représentant de la communauté villageoise d'Anoumambo. Il nous a dit que l'économie des chefferies villageoises repose sur les renouvellements des attestations. Et que si cela n'est pas fait, ça va être, d'après ce que je comprends, un manque à gagner important pour les communautés villageoises. Bon, sur la question, on entend beaucoup de...